Yo tout le monde, ça fait le truc, on se retrouve aujourd'hui pour des invocations sur le jeu Dragon Ball Legends. So, on va essayer d'aller choper les nouveaux personnages qui viennent de débarquer sur le jeu, à savoir Piccolo Tag Goku du film À la poursuite de Garlic, accompagné de l'antagoniste de ce film, Garlic Junior Transfo. Ça fait super plaisir d'avoir ce personnage dans le jeu Dragon Ball Legends. Au bout de 6 ans, il n'était toujours pas présent. Donc voilà, un peu de nouveauté, un peu de diversité, ça fait du bien, ça fait plaisir. Alors, petit bémol, c'est vrai qu'il n'y a pas de LF. Après, en soi, on peut se contenter du taux de drop qui est augmenté du coup quand il s'agit juste d'un sparking simple et non pas d'un LF. Le taux de drop, je crois, dites-moi si je dis des bêtises, hein, mais normalement, c'est 1% de chance de pouvoir l'obtenir, contrairement à 0,25 ou 0,5, je sais plus. Mais voilà, donc on sait jamais. Est-ce qu'on va pouvoir les choper dans cette vidéo? Ça serait bien. Je fais juste une petite parenthèse également, les amis. Aujourd'hui, en ce mercredi, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir la notification. Je serai en live à partir de 18h pour du Dragon Ball Sparking Zero. Donc voilà, les amis, on se retrouve à 18h en live. Bref, allez, max de pouces bleus en mode Gripti Dama sur cette vidéo, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et me dire si vous aussi, vous avez invoqué sur ce portail ou non. Peut-être que vous préférez garder vos cristaux pour autre chose, pour des élèves, pour des ultras, pour la fin de cette célébration saga des films, parce qu'à mon avis on aura un ultra saga des films, donc je pourrais comprendre. Mais en tout cas, si vous avez invoqué, eh bien dites-moi si vous avez réussi à choper ces nouveaux personnages. Allez, on est parti. Donc là, ils nous disent comme quoi, au bout de 3 fois, tu as la 4e multi gratuite. Bon, c'est déjà ça, ok. Allez, par contre, il n'y a pas marqué Sparking Garantie, hein. Donc voilà, on peut regarder vite fait le portail, donc le tag on le veut, le garlic on le veut, baby je ne l'ai pas, ça serait pas mal. Du coup il y a des LF par contre, il y a quand même des LF. Même si les deux nouveaux personnages ne sont pas LF, il y a quand même des LF dans le portail. Bon, ok, très bien, ok, le Jiren, ok, Zamasu, ok, après bon, tout le reste, c'est pas ouf. Hein. On veut clairement priorité le tag. Clairement, j'ai vraiment envie de jouer le tag. Et ensuite, bah, Garlic Transfo. Voilà. On verra bien. Allez, les amis. On est parti. 3, 2, 1. Et yes! C'est parti, les frérots. Allez. Et je rappelle, 18h aujourd'hui en live sur YouTube pour du Dragon Ball Sparking Zero. Allez, let's go. 3 capsules pleines de la hesse. C'est dingue. On commence 3 capsules pleines de la hesse. On peut pas commencer avec les montagnes, l'espace. Trunks, Badak. Ah, SJ. Ok. Parce que là, si on a Trunks ou Badak, forcément, on a l'un des deux nouveaux personnages, tu vois. Donc, c'est ça qu'on demande, nous. Et là. Oh là 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 là. Ok, c'est 17. Ok, Bata. Alors, Ludivine n'a pas voulu invoquer. Bon, je pense qu'elle, elle s'en fiche un petit peu, tu vois. Moi, Garlic, ça va. J'aimais bien le film À la poursuite de Garlic parce que. Oh, fake out. Parce que du coup, on retrouvait des chorégraphies à l'ancienne, d'arts martiaux, tout ça. Et franchement, ça, je kiffais ces trucs-là. Parce qu'on n'oublie pas que Toriyama était un grand fan de Jackie Chan, Bruce Lee et tout ce qui s'ensuit. Allez, Rikum. Fake out encore. Ouais, mes frères, regarde les sparkings qu'on me donne. Regarde les sparkings qu'on me donne. Sans déconner, je mets pas des cristaux pour avoir des sparkings comme ça. Allez, on continue. 3, 2, 1. Yeah! Allez. Namek en feu, espace, montagne. Montagne, ce serait bien. Jaco, tout ça. Trunks, Badak, Broly. Non, Broly, il n'y a pas besoin. Parce que, voilà. Namek en feu. Pas des CJ, mais Namek en feu. Badak. Badak. Non. Très bien. Yukizo. Pas des CJ Blue. Ok. Ok. Whis. Ça fait longtemps. Oh. Ryuken. Pourquoi pas Ryuken, pourquoi pas. Pourquoi pas. Sait-on jamais. Let's go. Muten Roshi, ok. Badako. D'ailleurs, c'est quand lui qui va obtenir son Zenkai? Oh, je l'ai pas. Oui. 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 Mais c'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on demande. Comme ça, boum. Mais, ouais, incroyable. Incroyable. Bon ben voilà. Voilà, ça s'est fait déjà. Le tag, il est tombé. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on demande le jeu. Tu vois quand tu veux. Tu vois quand tu veux. Demi-cristaux, boum, il est tombé. Voilà. Donc ça, c'est, ça fait vraiment plaisir. Parce que du coup,
ce genre de personnages, en fait, tu peux les monter en étoile facilement avec les PZ, etc. C'est pas comme les élèves, tu vois. Et en plus, j'ai plein de PZ. Hein. Et franchement, j'ai vraiment envie de le monter, ce personnage. Ok, Mecha Freezer. Très bien, ok. Alors, on va quand même aller jusqu'au bout. Parce qu'on va essayer de choper le garlic. Mais, ah, franchement, ça fait kiffer, ça fait plaisir. Ah, voilà. Ça, c'est bien, les amis. Eh, max de pouces bleus et dites dans l'espace commentaire. Ok, j'ai vu, j'étais là. Tu vois ce que je veux dire? Comme quoi, t'as été jusqu'au bout de la vidéo et t'as vu comme quoi j'ai drop. Franchement, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à partager. Hein. Franchement, incroyable. Incroyable. L'artwork aussi, il est sublime. L'artwork, c'est une dinguerie. Hein. Franchement. Allez, 3, 2, 1. Yeah! C'est parti. Allez, le jeu. Ah, franchement, on est libre. On se sent libéré, délivré. Allez, on retourne sur Planète de la Hesse. Vous avez vu? Namek en feu, Ryuken, bim, c'est tombé. Là, on revient sur la Planète de la Hesse. Forcément. Donc là, on s'attend pas à grand chose. Il s'agit. Ok. Ok. Donc, ok. Allez. Petite surprise ou pas? Super Vegeta. Ok. Goldo. Table. Paikouan. C'est 19. Ah, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout, hein. Oh. Vados. Ok. Fake out. Oh, allez, allez, vas-y, va dormir. Allez, 3 sparkling, mais c'est pas ouf. Alors, la gratuite, les amis. Bah oui, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut tout donner. La gratuite. Alors, un petit doublon du tag, ça me dirait bien. Et le garlic, transfo, forcément, on le veut. Max de pouces bleus, mode Bipidama. 3, 2, 1. Yeah! Allez, c'est parti. Allez, le jeu. Et les amis, je vous le redis, si tu kiffes Sparkling 0, ce soir, 18h, en live sur la chaîne YouTube. Namek en feu, 5 capsules. Très bien. Badak. Non. Tout à l'heure, Namek en feu. Genkidama, Namek en feu. Tout à l'heure, Namek en feu. On a eu le tag Piccolo Goku. Est-ce que maintenant, on pourra avoir Garlic? Ike, let's go. Sait-on jamais. Namek en feu, Genkidama. Ça peut sentir bon. Ça peut sentir bon, les amis. Ok. Trunks. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Elle est. Oh, mais je prends. Je l'avais pas, baby. Mais incroyable. Mais cette vidéo, les gars, elle est incroyable. Pour des cristaux gratuits, en plus. Tu vois ce que je veux dire. J'ai même pas mis la CB. Mais incroyable. Je ne l'avais pas fait tomber, ce baby. Il ne voulait pas tomber. Et là, boum. Genkidama, Namek en feu. Mais c'est incroyable, max de pouces bleus. Partagez cette vidéo. Elle est incroyable. Incroyable, je suis content, je suis content, enfin, eh bien, ça fait kiffer, ça fait plaisir, ok, c'est ça qu'on me demande, ça, franchement, je suis d'accord, Toshi, là, on est d'accord, là, on est copains, frérot, incroyable, ok, c'est 20, très bien, fake out, tu doublons, ah, pas trop en demander, bon, hey, les gars, franchement, incroyable. J'ai eu le baby également, que je n'avais pas. Franchement, ça fait super kiffer. Donc voilà, max de pouce bleu, mon Genkidama, les amis. Je m'arrête là-dessus pour cette vidéo. J'ai pas besoin d'aller plus loin parce que du coup, j'ai réussi à faire tomber le tag. J'ai réussi à faire tomber le baby élève que je n'avais pas. On se retrouve tout à l'heure à 18h sur ma chaîne YouTube pour du Dragon Ball Sparkling Zero. Il y a eu vraiment beaucoup de news. Vous le savez très bien, j'étais à la Gamescom. Mais il y a également toutes les interviews de Jun Furutani. Il en a livré pas mal. On va aller décortiquer tout cela. Et on parlera bah, du coup ensemble de ce jeu qui arrive dans un peu plus d'un mois. Ça arrive prochainement, les amis. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.